en grande tenue. Salut François. Ça va François? Bonjour jeune homme. Ah, les lunettes. Ah ouais, oui. Tout. Voilà, ça y est, c'est tout. Ouais, d'accord. Mesdames, messieurs. Oui, c'est bon. Monsieur le sous-préfet, messieurs les vice-présidents du conseil régional qui sont là apparemment moi, monsieur le sénateur est excusé, il sera là qu'à midi. Madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires et adjoints, mon colonel, messieurs les anciens maires de Massé, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, y compris les conseillers municipaux d'il y a 20 ans. Il y en a quelques-uns que j'aperçois, donc qui étaient à l'origine de la réalisation de la stèle. Chers amis britanniques, mesdames et messieurs, je rajouterai aussi le major Cherrier que j'aperçois pas fidèle. Et puis le souvenir français également. Les anciens combattants, bien sûr, représentés avec les drapeaux. Il y a 20 ans, sous le mandat municipal de Jean Guédier, je salue Madame Guédier, qui a bien voulu se joindre à nous, cette stèle était inaugurée en mémoire des aviateurs britanniques tombés sur Massé le 1er juillet 1944. Aujourd'hui, comme en 1995, il est important de se souvenir de leur sacrifice. Je vais passer la parole à M. Jacques Pesquine, référent militaire de la commune, qui va nous parler de cette journée du 1er juillet 1944. Le 1er juillet 1944, l'issue du conflit mondial ne faisait plus de doute. Mais la guerre, elle était bel et bien présente. Et cette issue heureuse, il faudra encore l'attendre pendant plus de 10 mois. Nos concitoyens, et en particulier dans ces régions, se prenaient à espérer. Mais chaque jour, des dizaines de milliers d'hommes mettaient leur vie en jeu dans la bataille pour faire reculer les armées nazies. Et chaque jour, des centaines d'entre eux perdaient leur vie pour la liberté. Parmi ces hommes, aujourd'hui, nous voulons penser aux aviateurs de l'escadron 101, et en particulier à l'équipage du Lancaster LL-863, dont je vais rappeler tout à l'heure le nom. Pour ce décollage du 30 juin au soir, l'équipage de cet avion était composé des personnalités suivantes. Walter Bennett Beatty, officier de vol et bombardier mitrailleur. Harry Taylor, pilote et officier, qui sera le seul survivant. Levi Livesey Kay, ingénieur mécanicien, sergent. Conrad Gallimore Wenyon, premier radio, sergent. Thomas Dennis Duggan, navigateur, sergent. William Robertson Cowan, mitrailleur supérieur, sergent. Ronald Basil Daniel, mitrailleur arrière, flight lieutenant. Et Kenneth Hanel, deuxième radio, sergent.
Certains de ces hommes avaient à peine plus de 20 ans. Le pilote, en particulier Harry Taylor, qui sera le seul survivant, comme je le disais, s'était engagé à 17 ans au Canada en 1941. À l'issue du bombardement de Vierzon, le LL-863 était atteint par l'artillerie allemande et il explosait au-dessus de Massey. Les débris se sont répartis entre ici et pratiquement l'autoroute et jusqu'aux abords du village. L'exposition qui est présentée dans la salle des fêtes, que vous verrez tout à l'heure, vous permet de revisionner, de visualiser les événements de cette date. Deux autres Lancaster ont été abattus lors de ce même vol sur les territoires des communes voisines de Genouilly et de Saint-Pierre-de-Jarre, dont les maires, je crois, nous font l'honneur de participer à cette cérémonie. Dans ces deux avions, il n'y aura aucun survivant. Trois autres appareils ont été atteints au-dessus des communes de Massey, de Saint-Pierre encore et de Méreau, et ces trois-là, heureusement pour leurs équipages, ont pu rentrer en Grande-Bretagne. Pour ce qui est du LL-863, comme je le disais, sept membres d'équipage sont morts sur le coup. Ils sont enterrés au cimetière militaire de Saint-Boulchard, commune qui est également représentée aujourd'hui par l'un de ses maires adjoints. Harry Taylor, le pilote, se cacha d'abord sous un pont, puis il marcha vers Saint-Pierre-de-Jarre. Il fut caché par ici, dans plusieurs endroits, à Reuilly également, jusqu'au début de septembre. Et c'est le 5 septembre qu'il peut rejoindre à Orléans les unités alliées. Depuis 70 ans, l'Europe vit dans la paix. Et pour beaucoup de nos concitoyens plus jeunes, c'est une situation toute naturelle. Mais cette paix, nous la devons à l'écrasement de la barbarie nazie, à la reconnaissance par l'Allemagne de sa responsabilité, à sa réinsertion dans la coopération européenne. Et nous la devons, il faut le rappeler fréquemment, à tous ces soldats alliés qui, jour après jour, risquaient leur vie et souvent la perdaient pour nous rapprocher de la victoire. La présence parmi nous aujourd'hui de proches de membres de l'équipage du bombardier nous donne l'occasion de rappeler notre dette à l'égard de ces soldats. I shall now very briefly, for our British friends, give main ideas in English. In July 44, the fate of World War II was quite obvious, but the war itself was still very much present and would be for 10 months more. Every day, hundreds of thousands of men put their lives in danger for freedom. Every day, hundreds of them died. Among them were the members of Squadron 101, and particularly those who formed the crew of Lancaster LL-863. Seven of the eight members of that crew died in the explosion of the aircraft on July 1, 1944. The pilot, Harry Taylor, an officer 21 years old, could survive and stayed hidden in various houses of this zone until September 5th, when he could join the Allied forces in Orleans. Europe has enjoyed peace during the last 70 years. We must not forget that we owe it to these young men. Je vous remercie. Nous allons déposer une gerbe avec monsieur le préfet. De silence, si vous voulez bien. C'est Nicole Chouard. Il y a la Marseillaise et les...
Merci beaucoup. Bien, écoutez, je vous invite à un petit pot pour vous rafraîchir à la salle des fêtes et en même temps, vous pourrez découvrir l'exposition de M. Stapp. Voilà. Donc, pour ceux qui sont venus avec l'autocar, vous allez pouvoir remonter dans l'autocar. Puis les autres, on se retrouve. Je vous donne rendez-vous à la salle des fêtes Maison Communale. Merci. Thank you.